Bon, alors aujourd'hui, je vais vous lire une histoire moi-même. Donc lecture d'album filmé, mais il a fallu que je prenne un de mes livres, disons anciens entre guillemets, parce que il y aurait des problèmes de droit si en effet on prenait même des albums de Martine, même très anciens, genre début des années 50. Hein. C'est le début de Martine. Eh bien, c'est soumis à des droits. C'est donc il a fallu que je prenne un vieux livre de prix de 1919, enfin pas si vieux que ça. L'âne du roi, au moins, je n'aurai pas de problème. C'est dans le domaine public. Parce que ça, les questions de droit, c'est très délicat. Voilà, bon, ceci étant posé, on peut commencer. Donc, l'âne du roi. Publié chez Hachette dans la fameuse collection Série Papillon. Voilà, alors après avoir ouvert la page de garde, on a la page de titre avec la collection, le titre L'âne du roi, et on n'a pas d'auteur parce que, ben, ma foi, il n'est pas connu, il n'a pas voulu se faire connaître. Allons-y. L'âne du roi. C'était un âne de jolie tournure que l'âne du roi, poil brun et luisant, sabots fins, oreilles longues et mobiles, jarret nerveux, regard altier. Tout jeune, il avait été arraché à sa mère, harnesse auvergnate, par d'élégants seigneurs, lesquels, en bons courtisans, avaient offert le petit âne au roi d'Amabeau. Le roi d'Amabeau, c'est une note, hein, de bas de page, ne figure pas encore sur les cartes. Les géographes sont si ignorants. Bien, très très drôle. Qui, alors ce roi d'Amabeau, qui, alors je reprends la phrase. Un tout jeune, cet âne, il avait été arraché à sa mère, ânesse auvergnate, par d'élégants seigneurs, lesquels, en bons courtisans, avaient offert le petit âne au roi d'Amabeau, qui, là, des hommes, rêvaient d'aimer des bêtes. Amabeau en latin, c'est le futur du verbe aimer, amarrer, donc ça veut dire j'aimerais. Bien sûr, c'est ma petite note de bas de page à moi. Or, quand notre ânon, devenu âne, sentit sur son dos le poids respectable de sa majesté, un vent de folie vaniteuse roula sa cervelle de beaux dés. Il se crut un seigneur et glissa un pas de gavotte, la gavotte étant une danse ancienne, comme la chaconne, la passacaille, bon bref, dans sa fatuité, il se persuadait aussi qu'il voulait roucouler un air tendre. Et là, sa voix sans harmonie, sans douceur, fit pâlir de peur l'intrépide garnison d'Amabeau. C'est d'ailleurs à cause de cette voix formidable que fut donné à l'âne le nom de Jupiter. Car le roi d'Amabeau, grâce à son ministre des Affaires étrangères, n'ignorait pas que Jupiter, le roi des dieux, possède une voix de tonnerre, et que tout tremble, pardon, dans l'univers quand il ouvre la bouche seulement. L'âne Jupiter, à la cour du bon roi d'Amabeau, aurait pu couler une vie douce comme miel, pas de soucis, pas de corvée, bonne chère et douce litière, mais le favori du roi avait un défaut, un gros défaut, et ce défaut fit son malheur, tout comme s'il eût été un homme. Voilà. On a l'illustration. Quel était-il donc, ce gros défaut qui fait commettre mille sottises et rend les ânes bien ridicules? C'est enfin, l'âne du roi était plus vaniteux qu'un dindon. Un vieux proverbe dit. Voilà. Arrêtons-nous 2 secondes sur le. La suivante. Donc. Les hauts personnages de la cour étant placés, etc. Ça, c'est l'illustration. Commenter, c'est le petit commentaire. Qui se ressemble, se rassemble. Voilà quel était le dicton. En ce qui concernait le roi d'Amabeau et l'âne Jupiter, ce proverbe était faux. Nul être ne ressemblait moins au bon roi d'Amabeau que le hautain Jupiter. Le roi, pour toute couronne, n'avait carotte chou. Bon, il n'avait que des fleurs de carotte. Ah tiens, je ne pensais pas si bien dire. Il était simple, accueillant, il riait énormément, mangeait de même, et jamais on ne l'entendit se vanter de la noblesse de ses aïeux. Jupiter, lui, portait haut sa tête, chargée de grelots et de pompons. Il ne saluait personne, ne riait jamais et tonnait toujours. Il reniait sa très humble origine, il reniait même sa mère. Non, non, disait-il, ma mère n'était point une ânesse auvergnate, je suis le fils du désert. Une fine jument arabe berça mon premier sommeil.
Et Jupiter allait partout se vanter de sa noble origine. Et partout, à l'écurie, à l'étable, au poulailler, au chenil, à la porcherie, il était reçu avec les égards qu'on doit à un jeune homme de très haute lignée. Personne ne lui faisait, ne lui demandait, pardon, lui demandait de faire la preuve de sa noblesse. On ne le priait pas de montrer ses parchemins, parce que cette indiscrétion ne se commet jamais dans la bonne compagnie. L'orgueil le rendant fou, tout à fait, Jupiter se persuada aussi qu'il était un artiste incomparable. « Les dieux m'ont donné une voix mélodieuse, se disait l'âne du roi, je suis le Jupiter chantant. Oh, si je pouvais faire entendre ma voix à des oreilles délicates, quelle jouissance pour ses oreilles !» Quel chant du rossignol à côté des sons que je file. Un sifflet pointu ne se compare pas à un orchestre divin. Le chant exquis du rossignol, un sifflet pointu, la voix de Jupiter, un orchestre divin. Pensez donc, il est vrai que l'âne a de longues oreilles et que, du conduit auditif au cerveau, le chemin est si long que les sons les plus doux se déforment en route. Continuons. Or, à l'occasion du jour des rois, le bon roi d'Amabo convia ses sujets dans ses palais et il leur fut servi un somptueux festin. Et pendant que le roi et ses invités se régalaient, un musicien de Paris, venu tout exprès pour divertir la haute société d'Amabo, joua sur un piano tout neuf son joyeux répertoire. Jupiter, qui errait dédaigneux et hautain dans les allées du parc, fut attiré par le bruit de la musique. Vous voyez comme il est en train de braire devant un piano qu'il ne s'est sans doute pas abordé, avec une partition peut-être à l'envers ou qui est en train de tomber. C'est assez amusant. Un chat cavale derrière une espèce de cheval. Bref. Nous verrons cela plus tard. Page suivante. Donc on sait qu'il était attiré par le bruit de la musique là, dans son parc. Il irait dans le parc, Jupiter. Il se dressa sur ses jambes de derrière pour mieux voir par la fenêtre. Il y atteignait juste au moment où le pianiste plaquait les derniers accords et qui ont été excités par les boum boum et le cidre mousseux, criaient bravo bravo et manifestaient leur enthousiasme en jonglant avec les chaises, les verres, les bouteilles, les candélabres, ainsi qu'il est d'usage entre gens de bonne compagnie. Et c'était un coup d'œil charmant. Et Jupiter pensa, avec mes sabots, j'ai pu faire comme cet artiste, avec ses mains. Et dès lors, il résolut de donner, lui aussi, un concert, enfin mes amis. Un jour que le roi d'Amabo était allé à la forêt des glands rendre la justice à l'ombre d'un chêne, comme jadis un roi de France, alors pour ma petite note de bas de page personnelle, c'était bien sûr Saint-Louis, Louis IX, Jupiter disposa du palais et convia l'aristocratie du royaume à venir l'applaudir. Vous savez bien qu'on ne rejette pas l'invitation que fait le favori d'un roi. Et donc le favori fit les honneurs des salons au bras d'un vieux et crédule cheval blanc. Le malin petit âne était arrivé à convaincre le cheval qu'il était son proche parent, un oncle par alliance. Et les nobles dames arrivaient, éventail déplié, que sur le bras, suivis de jeunes seigneurs qui serraient sur leurs côtes le claque de satin, un chapeau qu'on mettait en soirée avec l'habit. C'est-à-dire, voilà, bon. Tout le monde, alors l'habit c'est bien sûr le costume à queue de pie. Tout le monde placé, Jupiter préluda lourdement. Museau, groin, mufle, gueule roses et oreilles se pointèrent vers l'artiston. On s'attendait non à un opéra grandiose, mais à quelque opérette folichonne, comme il eût convenu, à la cour du roi d'Amabo. Alors, agrandissons toujours un petit peu. Voilà. Il a l'air de se faire ficher dehors par une ruade du cheval blanc. Nous allons voir ça bientôt. Il y a toujours un décalage assez sensible ici entre les illustrations et le texte. Bon, c'est pas grave. On verra. Mais dès les premières mesures, ce fut de la stupeur. Le favori du roi se moque-t-il de nous ? Disait une noble dame en s'éventant. Je sais pas, on va voir. On n'y est pas encore. Ah, ce fut bien autre chose quand, pour montrer sa belle voix, l'âne se mit à braire. Un affolement, un sauf-qui-peut général. En fuyant, les invités criaient leur effroi dans un charivari que nul orchestre n'égalera jamais. Double page suivante et dernière, car nous avons, vous le voyez, 15 pages, c'est déjà pas mal. Quand Jupiter eut achevé son grand air et qu'il n'entendit point éclater les bravos, il se retourna. Quoi ? Personne ! Cria-t-il, s'écria-t-il, atterré. Où sont donc, enfin, où sont mes invités ? Comme une bombe, il se précipita vers la boxe
du vieux cheval blanc pour lui demander explication. Mais celui-ci, indigné et furieux de la présomption de cet être sans race, qui se disait son fils ou son neveu, ne le laissa pas entrer. « Or, d'ici, vaniteux, menteur, faux artiste, tu n'es qu'un âne !» Et d'une ruade, le cheval l'envoya rouler sur le fumier. Le roi d'Amabo, informé du scandale, sourit, et rougit plutôt, parce que sourit. Je reprends, excusez-moi, le roi d'Amabo, informé du scandale, rougit d'avoir aimé un âne si vaniteux. Il dit à Jupiter, « Mon garçon, tu es un sot et un poseur. Je n'aime ni la sottise, ni la morgue. C'est pourquoi tu n'es plus mon âne. Va t'en chercher une place à la cour de mes confrères. Il s'y trouve beaucoup de tes pareils. » Et là, Jupiter n'a été agréé nulle part. Il s'est fait chanteur des rues. Il braie des sérénades en s'accompagnant sur la guitare et seules les truies écoutent souriantes et contentes le grand artiste méconnu. Voici donc la juste fin d'une carrière scandaleuse. Vous pourrez en tirer avec les parents toutes les conclusions qui peuvent s'en poser. C'est comme une fable finalement et on peut en tirer la morale. À bientôt et d'ailleurs, chers petits amis, bonnes vacances. Merci.